Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de votre action préférée. Mais avant de commencer, pour ceux qui découvrent mon format pour la première fois, je vais faire un bref rappel méthodologique hein, euh, de la méthode d'accumulation rationnelle que je vais utiliser pour cette vidéo. On va prendre un exemple ici, et cet exemple est pris de manière complètement aléatoire, c'est une action, mais cela fonctionne de la même manière pour tous les actifs auxquels vous pouvez vous intéresser. Imaginons donc que là, vous ayez, pour une raison ou une autre, jeté votre dévolu sur Société Générale et que l'action cote... 38 euros et que vous ayez un objectif de 48 euros, objectif croustillant qui vous permettrait d'engranger 26%. Si effectivement euh, vous avez de la chance et que les, euh, les cours de Société Générale bondissent euh, sans coût férir, sans consolider euh, de 38 à 48 euros, effectivement vous pourriez euh, encaisser une plus-value de 26%. Le problème étant que les choses ne se passent quasiment jamais comme ça, il y a toujours ou quasiment toujours des Consolidation. Ces consolidations peuvent être nocives d'une part euh, pour euh, votre rendement et puis surtout pour euh, votre euh, gestion du stress. Donc imaginons que vous décidiez d'appliquer la méthode d'accumulation rationnelle que je vous propose. L'idée est de euh, concentrer vos achats sur des zones particulières. Ces zones particulières elles sont faciles à identifier, du moins il y a un module hein, que vous pouvez vous procurer si vous voulez en savoir davantage, mais en tout cas je les mets en, en lumière pour vous. Ce sont des zones de Support, clairement, ce sont des zones qui ont déjà par le passé et eh bien, euh, permis aux cours de rebondir, comme la zone que vous voyez ici apparaître euh, à 34 euros, une autre zone ici à 31 euros et encore une dernière zone à 18 euros. Vous voyez bien que ces euh, zones ont ceci de particulier, que ce sont des niveaux de prix à partir euh, desquels les cours ont précédemment rebondi. L'idée étant que il faut être capable de euh, tirer parti des consolidations éventuelles qui nous amèneraient à visiter ces euh, niveaux. De prix. Il n'y a aucune garantie bien sûr que l'on y aille, il n'y a pas non plus de garantie que le robot dise dessus, mais en tout cas vous allez très vite comprendre l'intérêt de cette méthode. Imaginons donc qu'au lieu d'accumuler sur 38 euros, on va faire simple, on va prendre 4 actions simplement pour, pour pouvoir euh, simplifier, on va imaginer que vous vouliez investir 4 euh, actions société générale, et bien au lieu d'acheter comme dans la première méthode 4 actions à 38 euros, vous allez acheter uniquement une action sur 38 euros. Puis une autre euh, au cas où on irait chercher euh, les 34 euros. Et puis encore une troisième au cas où on irait effectivement chercher les 31 euros. Et puis la dernière, si on va chercher les 18 euros. Le résultat, il est très simple mathématiquement. Vous allez modifier votre prix de revient unitaire. Au lieu de payer 4 fois 38 euros pour vos actions, vous allez payer une fois 38, une fois 34, une fois 31, une fois 18 euros. Ce qui nous amène à un prix de revient unitaire de 30 euros pour 4 actions. Et du coup, si l'objectif est atteint, eh bien... Au lieu d'engranger, comme on l'a vu précédemment, 26 vous allez engranger à partir de là, eh bien, 60 c'est l'idée de la méthode d'accumulation rationnelle. Il ne s'agit pas effectivement euh, d'abandonner euh, tout espoir de voir les cours monter en flèche, mais en divisant votre investissement, et bien, vous pouvez tirer parti d'une part euh, d'une montée en flèche si elle se produit, ce qui n'arrive quasiment jamais, mais également euh, de, de profiter des consolidations éventuelles. Voilà l'épilogue euh, de, de cette opération. Vous voyez bien que les, les euh, les niveaux ont été visités comme il, euh, il était euh, euh, plausible que cela se produise. Vous voyez, d'abord le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3. Alors maintenant, bien sûr, la question que l'on peut se demander, c'est euh, de l'issue de l'opération, si les choses étaient vraiment très mal engagées et si le niveau des 48 euros n'avait jamais été euh, atteint. Dans ce cas, de toute manière, il est clair que si vous n'aviez pas utilisé la méthode d'accumulation rationnelle, vous auriez perdu encore plus d'argent puisqu'il est euh, mathématiquement... Évident que vous perdez moins d'argent si vous avez acheté un petit peu et euh, eh bien à 38, un petit peu à 34, un petit peu à 31, un petit peu à 18, et que finalement l'action la, la, s'effondre que si vous aviez acheté vos quatre actions à 38 euros. Voilà, c'est tout l'essence de la méthode d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur cela, et eh bien il y a un module de, de formation. En tout cas, pour l'instant, vous n'en avez pas besoin, puisque je mets euh, ces euh, zones euh, à jour régulièrement toutes toutes les semaines. Si vous avez compris, on peut donc passer maintenant au vif du sujet et à l'analyse de votre actif préféré. Alors on va commencer tout de suite avec l'analyse technique de Casino Guichard. Euh, je préviens quand même ceux qui découvrent mon, mon travail qu'il ne s'agit absolument pas d'un conseil. Je partage ce que moi je ferai. Donc c'est donné à titre euh, uniquement pédagogique et informatif. Hein. Je ne connais pas vos aspirations, je ne connais pas votre aversion au risque. Donc ça ne, ça ne constitue pas un euh, conseil en investissement. Rappelons que Casino Guichard, s'il si, faut le rappeler, est un grand groupe de distribution spécialisé dans l'alimentaire. Euh, les nouvelles euh, qui, euh, qui, ont, qui sont apparues ces dernières journées ont été plutôt positives avec une rallonge, un nouveau prêt accordé à Rally, la maison mère de Casino. Et également euh, l'engagement de euh, Casino à se débarrassé de, de plusieurs euh, supermarchés hein, permettant d'alléger la structure de coûts. Et donc le consensus euh, des analystes voit pour l'instant, hein, mais encore une fois c'est un consensus qui ne prend pas en compte les dernières bonnes nouvelles, enfin peut-être que si, mais sûrement pas euh, tous les cabinets ont publié depuis, et bien pour l'instant hein, on voit un potentiel à 11,87%, c'est-à-dire 39,6 euros, donc quasiment 12%. Alors... Rappelons hein, euh, où sont les supports et les résistances pour Casino pour commencer. Donc Là, vous, avez, vous êtes face à un graphe en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Hein. Cette bougie n'est pas achevée puisque nous ne sommes que mardi matin. Nous avons donc une zone de résistance importante ici à 36,4-38,2 euros qui ne sera pas facile à passer. Alors, une zone de résistance pourquoi Parce que c'était un support et ce support a été cassé. Il a donc changé de polarité, il est devenu résistant. Ça se voit bien ici. Donc, ça va être difficile à passer les 30 les 36, 36, 4, 38, 2. Vous avez d'autres résistances plus haut, hein, à 41, 42, pour la même raison, c'était un support, il a été cassé, il est donc devenu résistance, également à 43 euros, et puis vous avez un support très important ici à 25, 27 euros, puisque c'est euh, le, le, le niveau sur lequel euh, Casino a bondi il y a trois semaines, et j'ai mis ici en orange le consensus des analystes à 39,6 euros, hein, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, mais je ne peux me fier qu'à ce consensus des analystes. Après, libre à vous, bien sûr, d'adapter cela. Alors, la première façon de faire, hein, euh, tout naturellement, euh, c'est de regarder ce, ce ce canal orange qui a été cassé, qui est une très bonne nouvelle. Certains auront décidé d'acheter ici, mais euh, pour l'instant, on va on, on va se contenter d'être euh, plus euh, plus basique dans notre analyse. Hein. Vous remarquerez également fait important qu'on a clôturé, on est en train de clôturer au-dessus de la moyenne mobile ici. À 20 semaines, c'est une excellente nouvelle puisque vous voyez que cette moyenne mobile à 20 semaines capait les cours. Donc, le fait qu'on soit sorti du canal jaune qui comprimait les cours à la baisse et que l'on soit en train de passer à moyenne mobile à 20 semaines, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps, est une excellente nouvelle. Maintenant, si on fait abstraction de cela et qu'on applique les règles les plus simples de l'analyse technique, on peut effectivement décider d'acheter maintenant à 35,40 euros en visant le consensus des analyses. C'est à 39,40. 6 euros ça nous donnerait donc un, un prix de revient unitaire à 35,40 hein et une progression de 12%. Voilà, ça c'est en imaginant que les choses se passent de la meilleure des façons possibles. Euh, on monte en, en ligne droite. Maintenant, il y a très peu de chances que ça se passe comme ça. On peut effectivement tenter de profiter de la volatilité qui, euh, qui interviendra sans doute. Euh, J'ai oublié de signaler ici un support important à 33 euros, hein, puisqu'il y a eu un gap. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts de cette bougie-là et les plus bas de cette bougie-là. Ça s'appelle un gap, et traditionnellement, on dit que les gaps servent de euh, support, ok. Donc la deuxième façon de faire euh, serait en fait d'acheter non pas toutes les, euh, les actions que l'on désire maintenant, mais divisées en deux fois. Euh, par la moitié des, euh, des actions sera achetée maintenant à 35,40 et l'autre moitié serait euh, achetée au cas où les cours reviendraient sur 33 euros. Ça nous donnerait un, un prix de revient unitaire beaucoup plus bas à 34,2 euros. Au lieu d'avoir 35,4 euros. Et la progression, si le consensus des analystes était atteint, serait de 16% et non pas de 12%. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça correspond quand même à 1,33 fois plus, autrement dit 33% en plus. Donc c'est loin d'être. Négligeable. La troisième façon de faire hein, serait non pas d'acheter euh, euh, en deux fois, mais acheter en trois fois. Hein, le dernier lot d'action serait acheté en cas de retour sur les 27 euros. Hein, bon, bien sûr, rien ne garantit qu'on ira, mais en tout cas, si on y va, ce qui serait extrêmement stressant si vous avez tout acheté à 35,40, et eh bien finalement devient une arme pour augmenter votre euh, bénéfice, puisque là, le prix de revient unitaire deviendrait 31,8 euros. Et en cas de ralliement de l du consensus des analyse et eh bien le, le gain ne serait plus de 12% mais de 24% autrement dit deux fois plus 100% en plus voilà comment je m'y prendrai euh, il ne me reste plus qu'à vous euh, donner rendez-vous euh, sur le site pour d'autres analyses techniques et je vous dis donc à très bientôt